Après un coup d'envoi ce vendredi 11 juin entre l'Italie et la Turquie, les Bleus joueront leur premier match de l'Euro 2020 le 15 juin prochain, en affrontant l'Allemagne. Un championnat très attendu pour lequel les joueurs sont soumis à un entraînement physique de rigueur qui contraste avec les derniers mois d'accalmie dus à la crise sanitaire. On n'a pas eu de préparation physique depuis un an, et ça change beaucoup de choses, confie le numéro 4 de l'équipe de France. Lui-même a été particulièrement affaibli ces derniers temps, entre sa blessure à l'adducteur droit début mai et sa contamination au Covid en avril. Mais si Raphaël Varane a su retrouver de la fraîcheur aujourd'hui, grâce à cette première préparation physique, il déplore tout de même une certaine irrégularité dans la saison, causée par la crise sanitaire. Le contexte a rendu la saison plus irrégulière. On n'a pas pu déconnecter du tout, il n'y a pas eu de trêve hivernale, explique le jeune homme qui regrette de ne pas profiter de sa famille autant qu'il le souhaiterait. Il faut gérer l'éloignement avec les proches. Le plus dur a été de ne pas pouvoir prendre du temps lors de la naissance de ma fille, fin octobre, note de la rédaction. Raphaël Varane, papa comblé, le défenseur de l'équipe de France, qui a fêté ses 28 ans en avril dernier, est le heureux papa de Ruben, né en 2017, et d'Anaïs, né en 2020, tous deux issus de son union avec Camille Titega, son amour de jeunesse qu'il a épousé en 2015 au Touquet.